Parle plus d'une ligne à linge. Amen. On l'apporte à la maison, on est motivé pour une semaine, on marche. Et après une semaine, on le ferme, après cela, on met notre linge dessus. Mais il y a quelque chose avec un tapis roulant qui est très exceptionnel, c'est que tu commences à faire du tapis roulant et tu marches. Et tu marches. Tu peux marcher 5 minutes, tu peux marcher 10 minutes, tu peux marcher 30 minutes, 1 heure. Tu peux faire 5 km, 10 km. Et vous savez quoi? Quand vous avez fini, vous êtes à la même place. C'est ça le tapis roulant. Des fois, on est drôle comme humain, hein? On met toute cette énergie-là pour aller nulle part. On a chaud, on est fatigué. Et après notre séance de tapis roulant, on est à la même place. Parfois, je sais peut-être pas ici au Québec, mais au Nouveau-Brunswick, on peut passer beaucoup de temps dans la prière et aller nulle part. On prie, on met de l'énergie. Et après qu'on a prié, on est à la même place. Vous dites, pourquoi, pasteur? C'est parce qu'il y a une clé dans ce verset que nous devons remarquer et nous devons appliquer à notre vie. Ça indique que c'est la prière du... C'est la prière du... C'est la prière... On va s'asseoir ici. C'est la prière du... Ah! C'est la prière du juste qui est efficace. Alors, si je ne veux pas avoir une vie de prière comme je marche sur mon tapis roulant, je dois être juste. Je dois être un homme juste. Le disciple Jacques nous donne une clé très, très importante. Parce que nous voulons tous être efficaces dans la prière. Amen. Nous voulons tous être efficaces dans la prière. Alors, le mot-clé est juste. Qu'est-ce que juste veut dire? Juste simplement veut dire quelqu'un qui marche droit devant Dieu ou il plaît à Dieu. Amen. Ça veut dire ça que je marche dans l'obéissance à Dieu. Car c'est l'obéissance qui plaît à Dieu. Le moment que je sors de l'obéissance, je ne suis pas droit ou juste devant Dieu. Amen. Maintenant, je pourrais passer du temps et parler de l'obéissance. Je vous dis, quelle que soit votre situation, et peut-être la première fois que vous êtes parmi nous cet après-midi, Dieu requiert votre obéissance. Même si vous êtes des serviteurs de Dieu pour 10, 15, 30 années, Dieu requiert encore l'obéissance. Amen. L'homme qui se tient devant vous. Amen. Dieu requiert mon obéissance.